Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis poissons. Semaine du 16 au 22 septembre. Vous avez le pouvoir du volcan après la discipline et le temps. Pouvoir du volcan. Carte numéro 9. Les vieilles rancunes doivent être abandonnées. Une énergie lourde nous blesse et si nous la retenons trop longtemps. Laissez votre colère flotter à travers vous plutôt que de la retenir jusqu'à ce qu'elle explose. Un changement est peut-être nécessaire. Parfois, les pouvoirs les plus puissants nous sont cachés. Vous avez le pouvoir de créer ou de détruire. Grosse énergie cette semaine, les poissons. Alors, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine du 16 au 22. Du 16 au 22, amis poissons. Écris. Oui, c'est une bonne idée. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Pour certains, ben, ça passera par l'écrit. Ça sera peut-être plus simple pour vous si vous avez des choses à dire, si vous êtes un peu en colère. Pouvoir de créer ou de détruire. On va aller voir amis poissons. Ça peut passer par les papiers, les documents cette semaine. Énergie majeure. La grande prêtresse avec l'étoile. Oui. Alors, il y a des choses quand même que vous savez, qui sont sues, des ressentis, des intuitions. On se joue quand même sur des énergies très intériorisées. Donc, vous avez quand même un remue-ménage intérieur qui peut être assez fort. Vous commencerez peut-être à mettre des choses en place pour pouvoir les exprimer, peut-être par écrit, peut-être administrativement aussi. Mais ça se jouera avec ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, les initiés et les autres. Il y a l'idée d'être discret malgré tout, cette espèce de discrétion. Si on vous pose la question, vous pouvez répondre. Et la question, la réponse sera franche, on va dire. Par contre, si personne ne vous pose la question, ben, vous ne direz rien. Ce qui peut faire un peu cocotte minute également. On va aller voir, amis poissons, trois cartes. Semaine du 16 au 22 septembre. Quatre de denier, trois d'épée. De bâton, 6 de bâton à l'envers, dix d'épée à l'envers, 4 d'épée à l'envers. Au milieu, il y a quand même une envie qui peut être intéressante, mais vous êtes quand même confronté à des énergies qui sont un peu statiques. 4 d'épée, vous avez peut-être des difficultés financières, un stress par rapport à aussi peut-être des gens qui ne veulent pas lâcher leurs sous. Vous-même, vous ne voulez pas trop lâcher vos sous parce que c'est un peu tendu. Sujet financier un peu complexe, la peur de prendre des risques, la peur de lâcher des choses de soi, la crainte, c'est plus ça. Il y a un malaise quand même dans cette idée de la 4 de denier à l'envers. Il y a une incertitude, il y a des craintes. Il y a l'angoisse de perdre des choses qui se joue sur une réalité. Hein. Avec la 4 de denier, il y a quand même, c'est pas forcément pour rien, sauf pour ceux qui ont vraiment un côté pingre. Et vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est très pince, on va dire aussi, hein, qui a du mal à lâcher des choses. Là-dessus, vous avez quand même envie peut-être de lancer
lancer une action, on va dire, avec l'as de bâton, et donc de décongeler une vieille histoire. Parce qu'avec la 10 d'épée, on en a gros depuis un moment. On a vraiment fait le tour 10 fois de la question, 20 fois de la question, ça peut aller jusqu'à plusieurs années sur ce sujet-là. Et là, il y a quelque chose qui peut se décongeler, on va dire, pour pouvoir essayer de passer quand même le cap, peut-être en écrivant, peut-être en parlant, peut-être en déverrouillant quand même quelque chose. 4 d'épée, on a eu du mal, on a la petite boule qui est restée bien coincée au fond de la gorge sur une réalité qui n'a pas forcément marché. Tout à coup, au milieu de tout ça, il y a quand même l'idée de se dire « Ah bah oui, finalement là, j'aurais bien envie de faire quelque chose par rapport à ça. » Mais vous êtes quand même encore un tout petit peu statique et c'est peut-être pour ça que l'écrit, l'idée d'écrire est peut-être déjà un bon début. On va aller voir émotionnellement. Ami Poisson, semaine du 16 au 22 septembre. 4 de coupe, 10 d'épée. Oh, attendez, j'ai une carte conseil qui s'était perdue. Et le faux, ouais. Vous pourriez quand même tenter quelque chose cette semaine. Alors, on est sur cette énergie un peu statique. 10 d'épée, bah, c'est exactement les énergies dont je vous parlais ici. Hein, c'est-à-dire fatigue peut-être, peur de prendre des risques, incertitude, quelque chose devait arriver et c'est pas arrivé, vous l'avez attendu et ce n'est jamais venu, vous en avez un peu marre d'attendre, un peu marre de laisser les choses être comme ça en fait. Il y a vraiment ce questionnement du coup sur le « je prends le risque ou je prends pas le risque ?» De quoi j'ai envie maintenant, peut-être déjà de me reposer ou parce que je suis fatiguée, je me repose et donc après je vais pouvoir me relancer. C'est quelque chose qui s'est travaillé très intérieurement depuis un moment, je pense, que vous gardez pour vous ou alors que vous gardez avec des très proches. Hein. Il y a très peu de gens qui le savent. 10 d'épée, vous en avez à la casquette, c'est terminé. Ça reprend cette énergie de la 10. Et du coup, quelque part, c'est assez libérateur. Vous êtes arrivé au bout. Au bout du bout du bout du bout du bout du bout du bout. C'est sur un sujet qui date, hein, qui traîne depuis un moment. Là, il y a moyen de s'extraire de cette problématique. Et avec, comme un volcan, effectivement, avec une énergie, tout à coup, une boule de feu, une lave qui s'expulse de manière un peu... Voilà, alors qu'on ne s'y attendait pas forcément. Donc, effectivement, ça peut surprendre. On va aller voir... Mais vous avez envie de faire quelque chose pour que ça change, en fait. Que quelque chose change. Ami poisson, célibataire. Il y a peut-être quelqu'un qui ne reviendra pas là hein, aussi, hein, pour certains. Si vous attendez que quelqu'un revienne, c'est pas cette semaine. Les poissons célibataires, valet d'épée, communication, parler, écrit, justice, dire les choses ou les écrire ou aller chercher les infos, poser les questions. En fait, l'idée là, c'est que la communication sera quand même importante pour vous cette semaine. On va aller voir les poissons en amour flou. De coupe. Alors là, incertitude totale. Multiple potentiel, certes, mais alors dans un... Alors, ça peut quand même vous remotiver. Mais il y a quand même aussi l'idée de faire le tri et de pouvoir se positionner. À un moment donné, il n'y a pas eu de positionnement. Vous avez peut-être attendu, espéré, imaginé, rêvé des choses. Là, il y a quand même un petit tri qui pourrait être imposé. Vous auriez envie de faire ne serait-ce que ça. On va aller voir ami poisson en couple.
prise de coupe. As de coupe. Alors, vous, bah, l'importance, peut-être que ce qui peut vous motiver, c'est les enfants. C'est revenir à quelque chose de plus simple. Il y a un as de coupe, il y a une offre, une proposition qui peut être intéressante, qui peut vous sortir de votre torpeur un petit peu, vous réactionner, vous obliger à vous relancer. Parce que ce côté statique, là, ça suffit et qu'on doit revenir sur des histoires du passé aussi pour certains poissons en couple, pour pouvoir les traiter. Et un lien à l'enfant et à l'enfance qui peut être un sujet d'importance. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis poissons du 16 au 22 septembre. De denier le jugement, vous avez assez attendu. Il y a vraiment cette idée que ouais, là, la patience a ses limites. Oups là, le monde, oui. Roi de coupe, le soleil. Et la grande prêtresse avec le monde. Il y a une fin hein, par rapport à un silence peut-être. Hein, l'idée de ne pas exprimer certaines choses ou que quelqu'un a une vérité qui va pouvoir vous aider. Le bilan. La patience, le récolter ce que l'on sème, ce que l'on a semé, le temps qui s'est étiré. Faire le point. Le roi de coupe prend ses responsabilités. Ça peut être vous hein, parce que c'est un signe d'eau. Mais ça peut être un signe cancer, scorpion, poisson aussi, donc cancer et scorpion. Et ça peut être aussi la prise de responsabilité simplement émotionnelle, la maturité émotionnelle. Une énergie masculine très forte par rapport aussi à quelqu'un qui parle beaucoup moins, quelqu'un qui est un peu taiseux. Vous pouvez en avoir marre de quelqu'un qui se tait, par exemple, qui ne parle pas. Vous-même, vous avez pu être dans ces énergies-là pendant un moment, dans un silence sur un sujet. Et là, il serait peut-être intéressant de prendre ses responsabilités par rapport à ça pour pouvoir enclencher une suite, quelque chose qui puisse vous tirer de ce côté un petit peu statique et craintif, en fait, hein, de la 4 de denier, de la peur de prendre des risques, d'une insécurité. Et de cette 10 d'épée que vous traînez, vous n'êtes vraiment pas loin de vous en sortir de cette histoire. On va aller voir. On va aller voir le conseil. De coupe, 8 de coupe. Alors, par rapport à ce que vous pensez pouvoir incarner relationnellement, émotionnellement, l'envie de bien faire, oui, certes, il y a quand même une phase évolutive par rapport à ça. On sent que votre émotionnel est très, 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 très protégé, quoi. On sent que tout reste un petit peu à l'intérieur. Savoir que vous aimeriez quand même faire que les choses se passent bien, soient beaucoup plus tournées vers les autres. Mais il y a quand même des choses à dire et peut-être à s'exprimer à soi-même. Parce qu'en fait, ça peut être juste une démarche intérieure entre vous et vous. Écrivez, tenez un journal, faites des petits bilans personnels. Ça peut être intéressant aussi parce que là, vous êtes en phase d'évolution. Vous allez laisser quelque chose derrière vous pour aller évoluer vers autre chose. Et vous avez besoin... Soit que vous l'entendiez, que vous l'exprimiez vous-même par rapport à vous, que vous le conscientisez, parce que là, c'est quand même très intériorisé. Soit que vous l'exprimiez aussi à d'autres. On va aller voir la petite phrase, le petit message de vos guides pour cette pleine lune du mercredi 18. Il y a quelque chose d'intéressant à sortir, en tout cas, de vous. Amis poissons, quel est le message pour cette mise en lumière et cette pleine lune du mercredi 18 septembre? Qu'avez-vous à entendre? Signe et rappel et pardon et compréhension.
signes et rappels. Les anges aiment vous envoyer des signes parce que nous ne sommes pas souvent dans un espace où nous pouvons pleinement écouter leur guidance. Nous sommes la plupart du temps trop occupés ou ne voulons pas écouter nos messages intérieurs. Les signes attirent donc notre attention. Ils nous rappellent que nos anges et nos proches disparus sont près de nous et souhaitent nous aider. S'il vous est arrivé de douter de certains signes ou événements, c'est parce que quelque part, vous ne vous sentez pas assez bien ni assez digne de l'amour qui vous est offert. Sachez que vous l'êtes pourtant. Quand vous recevez un signe, vous avez une étape importante à franchir pour accepter des miracles dans votre vie. Demandez de l'aide. Un signe vous dit que l'aide est disponible. Accueillez-la, le cœur ouvert. Envoyez des messages, écrivez, amis, poissons, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.